vous à la maison, les petits chefs? Vous allez bien? Avez-vous mangé beaucoup de chocolat pour Pâques? Toi, t'en as mangé beaucoup? Gros comment? Oh, boy, t'as-tu prendre une coupe de livres? T'as-tu pris des livres? Oui. Oui, elle doit se dire, oui, j'ai pris des livres quand on est allé à la bibliothèque. Hein, Laurie? C'est ça que tu te dis, hein? Tu vas voir, dans une couple d'années, livre, ça n'aura plus la même signification. Mais bon, on est tout petit chef. On est ici pour cuisiner et manger. Qu'est-ce qu'il y a là? T'as-tu un petit bobo? Oui. Oh! Pas grave, il va disparaître avec la magie de ton prince. OK? Parce que c'est Damien le prince. Ah, c'est Damien le prince. Damien, c'est ton frère. Bon, OK, on va nommer les ingrédients. Est-ce que tu m'aides? Comment ça s'appelle, ça, ici? Du miel d'abeille. Oh, du miel d'abeille! T'es cute! C'est ici, qu'est-ce qu'on a? T'es pas sûr? C'est de la margarine à l'ail. On pourrait prendre du beurre à l'ail. C'est ici, qu'est-ce que c'est? Du fromage. Oui, c'est bien ça, du bon fromage mozzarella râpé. Ici, qu'est-ce qu'on a? De la bruschetta. Bruschetta. Oui, avec un petit accent français. Et ici, qu'est-ce qu'on a, Laurie? Qu'est-ce que c'est que ça? Une baguette de pain. Et voilà. On lance ça par là-bas. On n'a plus besoin. OK, qu'est-ce qu'on fait? Alors, cette recette-là, c'est une recette qui pourrait être très bonne pour une entrée ou même pour un repas principal là, pour les petits chefs avec accompagné, je sais pas, d'une salade, quelque chose comme ça. Alors, pour commencer, on a besoin d'un couteau. Alors, Laurie, est-ce que tu veux me couper le pain? Oui. Non, c'est une blague. Ben, on remarque, on pourrait essayer quand même, mais je te supervise. Les enfants, je ne sais pas les enfants, voyons. Les parents, ne laissez pas les enfants jouer avec un couteau. C'est dangereux, soyez à côté. Vas-y, scie-moi ça, ce pain-là. On le scie en deux. Pas comme ça, on n'appuie pas. Je vais te montrer comment on scie. En avant, dans l'arrière. En avant, en arrière. Vas-y, continue. Mets jamais tes doigts sous la lame, parce que ça coupe. Il en manque un petit bout, vas-y. Mets pas tes doigts sous la lame. Toujours en arrière du manche. Excellent. Bon, c'est bon. Très bien. OK, tu peux me donner le couteau. Je vais être un petit peu moins stressé comme ça. Voilà. On a deux bouts de pain qu'on coupe aussi en deux. Ça, je vais le faire, OK? On essaie de couper les deux parties égales afin de se servir les deux parties, comme ça. Bon, là, je l'ai vraiment mal coupé. Mais c'est pas grave. On va s'en servir quand même. On va le mettre de côté pour l'instant. Je vais essayer de me concentrer un peu plus ici. J'ai failli me couper un doigt. Voilà, c'est beaucoup mieux, hein? Donc, on va prendre seulement ces deux-là. Pour notre recette, OK? Maintenant, on va nettoyer notre table un peu parce que du pain, ça fait beaucoup de miettes. Voilà. Et comme on va faire cuire notre recette au four, on va avoir besoin d'une plaque. J'ai une plaque ici que j'ai recouvert d'un petit papier d'aluminium parce que ma plaque est un petit peu vieille. Je trouve ça plus propre ainsi. Voilà! Alors, Laurie, tiens, ça va être ton côté. Tiens, je vais te donner le plus beau pain. On va prendre l'autre ici qui est un peu plus épais. OK? Et ça va être le mien. Je vais te montrer qu'est-ce qu'on va faire. Tout d'abord, oups! Tu vas avoir besoin du couteau. Et du beurre à l'ail. Tu vas prendre du beurre à l'ail. Pas trop. C'est bon comme ça. Puis là, regarde. Tu l'appliques comme ça au bout de ton pain.
Applique-le. Ouais, ouais, c'est ça. Fais une bosse. C'est parfait. Touche plus, touche plus, touche plus, touche plus. Et maintenant, avec ton couteau, tu fais ça comme ça. Puis tu viens l'étendre tout le long de la baguette. C'est ça. Appuie. N'aie pas peur d'appuyer. Regarde. Si tu tiens ton couteau avec un angle comme ça, regarde ça. Wouhou! Puis toi, tu en as eu tellement assez sur ton couteau que tu peux te rendre jusqu'au bout sans faire de retouches. On va juste gratter un petit peu là et un petit peu là. Voilà, très bien, Laurie, tu es très bonne. OK. Et tu trouves pas ça mauvais? Ouf! OK. Ben, continue, tu vas prendre d'autres livres. OK. Les petits chefs, c'est fait aussi pour goûter. Maintenant, ça, ça va être beaucoup plus le fun. Regarde qu'est-ce que papa fait. Une slice de miel comme ça. OK? T'es prêt? Je te laisse faire. Attention pour ne pas faire de dégâts. Je te tiens. T'es prêt? Appuie pas trop fort, OK? Le miel, il coule en masse beaucoup. Tu mets du miel tout le long de ton pain. Lève-le plus haut. Vas-y. Tu peux le tenir à deux mains pour être plus précise. Appuie un peu. Tiens-le à deux mains. Lève-le plus haut, Laurie. Comme ça. OK? Vas-y. Appuie. Promène-toi sur ton pain. Promène-toi sur ton pain. C'est ça. Mets-en du miel. Mets-en, mets-en, mets-en. Et pas peur. C'est bon. Un petit peu vers le centre. Le centre, ici, il n'y en a pas beaucoup. OK. Très bien, très bien. Excellent. Couteau. Et puis là, on applique comme ça un petit peu, là, pour qu'il y en ait un petit peu partout, puis que ça soit égal. OK? Très bonne. Tu es très, très, très bonne. C'est une recette qui se fait vraiment rapidement. Fait que pour des entrées, là, c'est excellent. Puis c'est bon en plus. Ah, ça, ça doit être meilleur que le beurre à l'ail. Oui. OK. Ensuite, tu vas prendre la fourchette. Et soit dit en passant, Laurie, ce que tu fais là, là, toi, tu as des petits couteaux là, plastiques. C'est pas dangereux, OK? Mais si ça avait été un couteau comme lui, ou en métal, tu te serais coupé la langue, OK? Faut faire bien attention avec ça. On va prendre la bruschetta. Tu vas en prendre dedans. Tu vas le déposer sur ton pain, que tu vas étendre comme ça. C'est ça. Tu le mets sur ton pain. Tu en mets partout. Tout, tout, tout. Tout, 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 tout. Alors, Laurie, ça va bien à la garderie? Oui. Ouais. Tu fais des belles activités? Mais bientôt, on va aller à la garderie. Oui. Demain. Oui, mais... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche. Parce qu'aujourd'hui, la garderie est fermée. Ouais, ça te permet de passer du temps avec papa. Et ça, la bruschetta, est-ce que tu aimes ça? C'est bon? Oui. Mmh. J'en mange un parce que c'est bon. OK. Ah, c'est bien. Voilà. C'est très beau! Continue, mets-en un peu plus. Pas grave, ta robe, on va la laver après ta robe de princesse. Ouais. Parce qu'elle est belle, ma robe. Ben oui, hein? Elle est quelle couleur, ta robe? Rose et mauve. Rose et mauve. Mmh. Ça fit avec tes barrettes? Ouais. T'as une petite barrette rose brillant? Rose et mauve. Rose et mauve brillant? Oui. Et là, je vais t'enseigner un petit truc, Laurie. Là, la baguette ici, c'est bien, tu la fais pour toi, OK? Mais si tu cuisines pour des amis, tu ne dois pas mettre l'ustensile que tu utilises pour cuisiner dans ta bouche. OK? Parce que si tu as un petit rhume ou quelque chose comme ça, tu vas infecter tous tes amis. Tu comprends? Continue, mets-en un peu plus. Regarde comme papa. Très, 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 très bien.
Mais disons surtout là où il n'y en a pas beaucoup, là, comme par ici. Elle n'a même pas peur d'utiliser ses doigts. Génial. Ouais. Très bien. OK. Yeah. Je vais t'aider un petit peu là, pour la fin. Yep. Parce que là, on va passer à l'étape suivante. Juste vous dire comme ça aussi, avant de faire la préparation, vous pouvez préchauffer votre four à 500 degrés à broil parce qu'on va faire gratiner tout ça ensuite dans le four. Alors tu devines, Laurie, qu'on prend le fromage et qu'on l'étale partout sur la baguette. Comme ça. Très beau. Continue, continue. T'es très bonne, Marie, ta barouette. Waouh, waouh, waouh. Tu vas être bonne à marier. Mais ton petit chum va devoir passer par ton papa avant. Ah, t'es très bonne. Vraiment, là. Papa est fier de toi. OK. Je pense qu'on est bon. Alors, on va aller porter ça dans le four. Et Laurie, en attendant, on va aller voir quelque chose que tu as goûté. Puis quand on va revenir, on va vous revenir avec le plateau qui aura cuit dans le four, qui va avoir bien grillé et qui va être prêt à manger. OK? Parfait. Alors allons voir ce que tu as goûté l'autre fois. On va voir si tu aimais ça. OK? OK. À tantôt. Bonjour Damien, ça va bien? Oui. Tu manges des pogos? Oui. Je vais te faire goûter quelque chose avant. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle ça? Non. C'est de la ciboulette. Tu veux goûter? La ciboulette, c'est comme une épice. Est-ce que tu aimes ça? Goûte-y comme il faut. On a une demoiselle ici. Allô Laurie, ça va bien? Oui. Est-ce que tu as goûté? Goûte à la ciboulette. Est-ce que tu aimes ça? Oui? OK. Bye bye. T'étais petite sur la vidéo qu'on a vue, hein? Tout petite. Est-ce que tu aimais ça, la ciboulette? Oui, tu aimais ça beaucoup? Est-ce que tu aimes encore ça aujourd'hui, manger de la ciboulette? Oui. Des fois, hein? Oui. On a fait cuire nos baguettes. J'ai pas vraiment de nom pour ça. Alors, Laurie, tu veux couper? On va la couper en deux. Coupe la baguette en deux, vas-y. Non, regarde, je vais te montrer. Tiens ton couteau. Comme ça. Ouais. Puis t'as pas besoin de le tenir à deux mains, là. Une seule main. Puis tu vas en avant, en arrière. En avant, en arrière. Vas-y. Appuie un peu aussi. En sciant, là, tu t'appuies un peu. Qu'on lèche le couteau? Non! Jamais, parce qu'on pourrait se couper. Ici, ça coupe beaucoup. Comment tu vas goûter avec une langue coupée? Voilà. Alors, une partie pour toi. Une partie pour papa. Là, on l'a fait cuire un petit peu longtemps parce qu'on voulait être sûr que le fromage soit vraiment bien, bien, bien grillé. Tu goûtes déjà, toi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que t'aimes ça? Prends-en une grosse bouchée, là, comme ça. Mmh! Mmh! Très bon. Et toi, Laurie, t'aimes ça?
Donc, je vous disais, en entrée, ou même en plat principal, là, avec une petite salade à côté, ou quelque chose comme ça. Puis c'est très winner, les enfants adorent ça. Ça a un petit goût sucré, à cause du miel. On goûte l'ail. La bruschetta, le fromage, c'est un mélange. Parfait. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est une réussite, le riz? Oui. Une autre recette réussie? Oh, petit chef, je tape tu là-dedans? Ok, tu veux continuer de t'étouffer. Mais non, c'est une taille. Les badanes, elles ont du bien. Je pense qu'on va faire des autres pains. Deux pains qui nous restaient. Ouais.